Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo de l'Infatigable C47 qui vous parle. Ben oui, vous êtes sur la chaîne de l'Infatigable C47. Forcément, c'est l'Infatigable C47. Je me retrouve toujours, hein, je me suis juste crafté un petit lit et puis c'est tout. Hein. Nous sommes sur une autre petite base. Hein. Là. Pour l'instant, nous ne sommes pas très riches. Hein. Nous avons déjà un petit step convenable, hein. Je dirais, quand même, on va pas exagérer, c'est pas non plus un step nul. Vous voyez ce que je veux dire, c'est, voilà, nous avons un step convenable, bien. Je suis content d'avoir ce step, hein, voilà. D'avoir, j'ai eu beaucoup de chance d'avoir deux coffres d'un coup. Vous imaginez, le gars, il arrive. Bon, allez, je suis perdu dans la jungle. Je ne sais pas où je suis, car je suis dans la jungle du Brésil, le pays que je viens de sauver. Et en plus de ça, le pire, j'ai trop de chance, hein. Franchement, le Brésil, merci de m'avoir récompensé, hein. Parce que, ben oui, en même temps, je me suis sacrifié pour toi. Alors maintenant, merci de me récompenser, Brésil, hein. Et voilà, nous avons un début de maison. Le gars, il est content juste parce qu'il a ça. Maître Vin, il serait temps d'aller chasser. Hein. Attends, je vous préviens, on sera bientôt obligé de faire les bases de survie dans la jungle de l'épisode 1. Parce que là, vous voyez qu'on va être obligé de survivre dans la jungle pendant des années. J'ai toujours été nul en ciseaux. Donc là, donc on arrive, on est direct le roi de la jungle, puisque nous avons déjà notre petite couronne, qui est le... Donc, comment faire une couronne sur Minecraft? C'est très simple. Vous prenez un petit casque en or, et vous l'enchantez fortune 3. Comment avoir un plastron en feuille sur Minecraft? Vous prenez une tunique en cuir, une tunique en cuir peint en verre de cactus, et vous l'enchantez protection 4. Comment avoir le slip de Tarzan sur Minecraft? Enfin, caleçon de plan. Jambière en diamant. Et les pieds de Tarzan. Les pieds de Tarzan, je suis d'accord, c'est du fer, hein, attendez. Non! Ça me rappelle exactement ce qui s'est passé dans l'épisode 1. Ah, sauf que là, je me suis sacrifié pour personne. Hein. L'arbre, je me suis pas sacrifié pour personne. Ça me rappelle grave ce qui s'est passé dans l'épisode 1. Exact. J'avais oublié de m'accroupir. Voilà. Un petit moment d'inattention. Excusez-moi. Voilà. Excusez-moi. Dans cet épisode, on sera un petit peu plus relax. Donc on va un petit peu s'occuper de la maison. L'épisode, ce sera plus occupe-toi de la maison, épisode 2. Par contre, et on va. Voilà. Dans l'épisode 2, on va juste chasser. On a besoin de chasser. Voilà, je suis désolée. Mais on chasse dans la vie. Attendez. C'est quoi ce monde? C'est quoi ce monde là? On chasse même pas. Je suis désolée. Je suis désolée, peut-être que voilà, on est dans une société comme ça, on chasse pas, au lieu de chasser, on va plutôt faire des courses à Auchan, ce qui est plutôt mieux, mais tu vois, maintenant, je suis perdu dans la jungle, il n'y a pas d'Auchan dans la jungle en fait. Hein. Voilà, le gars, il nous fait ça, ici la voix, on chasse pas dans la jungle. Après voilà, déjà des cisailles, hein. C'est tellement beau. En fait, je fais ça pour le plaisir, puisque de la laine, en fait, ça va absolument me servir à rien. Ce que je pense aussi, c'est que c'est une mauvaise idée d'aller chasser à la cisaille. J'espère que vous êtes d'accord avec moi, chasser avec des cisailles. Aucun cochon. Qu'on soit d'accord, un gros défaut de Minecraft, le gros défaut de Minecraft, c'est le manque d'animaux. Je suis désolé, mais attendez. Dans la vraie jungle du Brésil, il y a quoi? Il y a plus de 300 000 espèces. Dans la jungle de Minecraft, il y a quoi? Il y a 4 espèces. Le poulet, le canard, le cochon et la vache.
Donc en gros, déjà que dans la vraie jungle, il y a au moins 300 000 espèces. Et en plus de ça, sur Minecraft, les quatre seules espèces qu'il y a n'y sont pas dans la vraie jungle. Parce que je vous assure, vous allez dans la jungle, vous verrez. J'en ai marre à la fin. Dans la jungle, je vous assure, vous allez dans la jungle, vous verrez aucun cochon. Vous allez peut-être voir un canard, mais vous n'allez pas voir de poulet. Donc je suis désolée, mais créateur de Minecraft, c'est quoi ça? J'ai fait une liste des minimums d'animaux qu'il devrait y avoir dans Minecraft. Ah oui, par contre, ah oui, j'ai oublié une petite espèce, les araignées. Ah oui, parce que franchement, c'est vrai que dans la jungle des araignées, bien sûr, c'est vrai que dans la jungle des araignées, eh bien, il y en a beaucoup. Alors que là, des araignées, franchement, je suis obligée d'aller dans une grotte pour en trouver. Hein. Donc, au moins, rajouter des araignées bleues, parce que je suis désolée. Mais les araignées qu'il y a dans la jungle sont bleues. Je vais essayer de ne pas me diver le truc, enfin, de toute façon, je ne peux pas, je suis perdu par l'argent. Je vais me diver quoi? J'ai juste besoin de survie. J'ai à peine un lit, qu'est-ce que je vais me diver? Enfin, je crois quoi que je vais me diver une table d'enchantement? Parce que j'ai besoin de table d'enchantement, bien sûr, hein! Je l'ai mis en première pour là. Franchement, la fin calme le cours. Hein. Un petit peu trop vénère, un petit peu trop vénère, mais c'est normal que je suis vénère, je suis perdu dans la jungle, tu crois quoi mon pote? Et si la voix là, et si la voix, tu crois quoi que je vais rester vénère? Je suis perdu dans la jungle, je ne reverrai probablement jamais les miens. Voilà, tu crois quoi que je vais réciter la cigale et la fourmi? Non mais mon pote, attends, je suis désolé la voix. Ouais. Pour la peine, je vais me coucher et toi aussi, va te coucher, mon pote. Va te coucher. Attendez, voilà. Je vais coucher un peu pour calmer mes nerfs là. En même temps, c'était mon choix de me sacrifier. J'ai pas non plus dit. Bon, j'ai pas non plus. Voilà, mais franchement, je suis désolée, mais. Enfin, en même temps, heureusement qu'il y a peu d'animaux dans la jungle sur Minecraft. Parce que sinon, je vous préviens. Si tous les animaux de la jungle étaient dans Minecraft, je serais déjà mort. Hein. Y aurait des, je me serais déjà fait choper par un guépard. Ah, surtout des guépards. Surtout, je me serais déjà fait choper par un guépard. Enfin, ça, c'est sûr. Hein. Je serais atterri dans l'eau direct. Je serais atterri dans l'eau, j'aurais essayé de nager, il m'aurait attrapé en deux secondes. Hein. Enfin, ça, c'est sûr. Donc, et surtout que dans les règles, c'est bien dit ne jamais mourir. Hein. C'est surtout, il ne faut pas mourir. Hein. 1, 2, 3, 4. Ok. Bon, pour l'instant, je fais. Depuis 8 minutes, je fais ça. À la fin. 8 minutes de 32 secondes. Je fais ça. Donc l'épisode 2 sera un petit peu ennuyant. Au pire, passez à l'épisode 3. Vous mettez un petit like sur l'épisode 2, même. Donc voilà. Vous mettez un petit pouce vert, hein, voilà. Qu'est-ce que j'en ai à faire de plus, franchement? Allez, passez. Ah non! Non mais heureusement qu'il y a de l'eau en plus. Puis c'est quoi cet arbre totalement perché dans l'eau? Attendez, faut que j'aille explorer cette contrée. C'est voilà, donc il y a de la terre dans l'eau qui remonte, et puis il y a tout ça. Ok. Mais, ça fait quoi, la cinquième fois que je tombe dans l'eau bêtement? Enfin, la quatrième fois, parce que c'est vrai. Tomber dans l'eau quand t'as perdu connaissance et que tu viens de te prendre une explosion en pleine face, c'est vrai que voilà. Non, parce qu'en fait, l'explosion nucléaire a pété. L'explosion nucléaire a carrément pété en fait le village. Non, je rigole, sinon j'aurais pas survécu. Hein. Surtout que j'avais zéro armure et là. C'est pas que mon armure est hyper bien, mais regardez-moi ça, c'est un petit peu banal quand même. Enfin, non, c'est un peu banal quand même. Franchement, c'est la meilleure armure que j'ai eue jusqu'à maintenant. Hein. Je vais bien m'apprécier. Hein.
Ah non plus, une armure nulle, voilà, c'est... Non! Ça m'énerve. Ne dites pas que j'ai fait exprès, j'ai vraiment pas fait exprès encore. Ça m'énerve, tu crois que je vais faire ça tout... Toutes les vidéos, c'est ça que je vais faire, cracher sur tes cadavres. Je rigole. Voilà, j'ai déjà bientôt usé deux stacks. Deux stacks! Tu sais ce que c'est, deux stacks, mon pote? Non, tu sais pas, tu sais même... Toi, tu dois confondre avec un steak, voilà. Un steak, voilà. D'ailleurs, ça se dit pas un steak en... Bravo, tu sais compter. Non, parce que vous savez, dans la jungle, parfois, on oublie de compter. Surtout que j'ai pas eu à manger. 2, 3, 4, 5. Ok, donc les deux sont à égalité. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Est-ce que je vais mettre des blocs de vitre? Attends. Non, je vais... En fait, à quoi vont me servir les vitres? En fait, les vitres, ça ne me sert absolument à rien. Qu'est-ce que je vais faire avec des vitres à part? Non, voilà. Non, j'ai même pas une table de craft. Donc, vous savez quoi? Je vais demander au créateur de la map s'il ne peut pas m'échanger des vitres contre des barrières. Je vais le demander. Voilà, les premiers épisodes sont courts et ténueux, mais voilà. Je suis désolé, hein, mais voilà, il serait temps qu'on se réveille un peu parce que je suis désolé des vitres. Non, mais à quoi ça va servir des vitres? Je crois que tu vas faire quoi, une petite déco, non? Ah oui, je sais à quoi ça va servir. Je me demandais s'il peut pas m'échanger un stack de vitres contre un stack de barrières. Donc, voilà, c'est la fin de la vidéo. Donc voilà, c'est la fin de la vidéo. Comme je vous l'ai dit, l'épisode 2, eh bien en fait, ce sera un petit peu plus de la... L'épisode 2 sera un petit peu plus de la maison, hein. L'épisode 3 aussi. Et c'est vraiment à l'épisode 4 qu'on va vraiment commencer de l'aventure. Ben oui, je suis dans la jungle, il est temps que j'en profite, hein. Tarzan sur Minecraft saison 1, j'ai pas eu trop l'occasion. Mais la différence entre Tarzan sur Minecraft saison 1 et Tarzan sur Minecraft saison 2, c'est que dans la saison 1 et la saison 2, j'ai fait exprès de me retrouver dans la jungle. Alors que là, il y avait un hélicoptère juste au-dessus. Il y avait un hélicoptère, il m'a explosé en pleine face, en fait. Hein. Et j'avais même pas le parachute de... Attendez, désolé. Je suis tombé comme ça, quoi. Là, j'ai fait exprès, donc ça me fait. Donc, il y a de l'argile. Ok, on a trouvé de l'argile. Et 4 argiles. Faire des briques. Non, mais j'ai même pas de table de craft. Il serait temps que je me réveille un petit peu là. Il serait temps que je commence les bases de la survie dans la jungle là. Parce que... Je suis désolée, mais il serait temps que je me réveille un petit peu. On est à l'épisode 2, j'ai même pas une table de craft en fait. Hein. Et je vais pas survivre grâce à des coffres que. Plus de ça, j'en ai trouvé que deux, coupés à la mort. Mon inventaire est totalement plein. Là, il ne me reste que deux cases. Et voilà. Moi, je veux du bois tropical. On va vite fait récupérer. De quoi se faire une table de craft, hein. Par contre, ce qui est bien, c'est que ça fait quoi? Ça fait 3 jours qu'on est dans la savane et nous avons toujours notre petit protégé. Nous avons déjà notre smoky, hein, même s'il est caché par l'armée. Voilà. Voilà. Une petite table de craft. Voilà, donc je vais poser la table de craft. Voilà, c'est tout à fait normal de poser une table de craft. Arrêtez de me saouler avec ça. Ah ouais. En fait, j'aurais pu faire la table de craft depuis longtemps. Oh, des fois. Et voilà.
Je vous annonce que ça ne servait absolument à rien de demander au créateur de la map de m'échanger des barrières contre des bits. Puisque de toutes les façons, en fait, là, j'ai déjà 14 barrières, ça suffit. Ça suffit amplement. Il serait temps que je me fasse des tours, je sais pas moi, mais que... Je sais pas moi, c'est quand que je vais aller chercher des minerais, du fer, pour me faire au moins une épée en fer. Je suis sûr que je trouverai au moins une épée en fer dans un coin. Ça, c'est sûr, attendez, je suis désolé. Voilà, on va sauvegarder le niveau, sauvegarde tout dans deux. Hein, deux. J'ai déjà 14 barrières, ça devrait être. Ah, je n'ai plus de place dans mon inventaire. Eh bien, ce qu'on va faire, je sais pas moi, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire, on va prendre ça, on va faire ça comme ça. Je vois un Enderman. Vous ne le voyez pas, moi je le vois. Ok, je vais me faire le coup de la hache parce que. Attendez. Là, ça commence à me merder. Je peux même pas me faire une hache en paix. Attendez. Injuste, hein. Je regarde juste un petit truc, hein. Non, mais je me suis même pas fait la hache, en fait. Je suis déjà en train de détruire ça, mais je me suis pas fait la hache. Et voilà. Nous avons déjà un petit stuff, hein. Voilà, hein. Mais je peux pas construire un truc normalement. Quoi, le potion de rapidité? Non, alors... D'ailleurs, ce serait bien que j'en trouve dans un... Mais bon, je ne sais pas pratiquement sûr que j'en trouve. Et il y aurait à peu près 10 coffres. À peu près. Que c'est bien. 10 coffres, c'est quoi? Bien 10 coffres. Ça serait bien que je trouve des potions de vision nocturne parce que là vous ne voyez rien. Et en fait, pour que vous sachiez un truc, le créateur de la map, qu'est-ce qu'il a fait? En fait, le créateur de la map ajouter des coffres et faire pousser cet arbre. En gros, cet arbre est fait exprès pour nous. C'est la nuit, donc on va faire des choses. C'est dans votre quotidien, enfin, je dirais. On n'a pas encore une maison. On a déjà un début de maison. Nous avons déjà un bon début de maison. Ça, c'est quand même un bon début. Ah, du coup, ça va être hyper long. Déjà 18 minutes de vidéo et on a à peine construit une maison. Donc voilà. On l'aménagera quand on aura plus parce que là, franchement, on n'a pas beaucoup. Hein. Voilà. Il faudra peut-être que je me fasse des fous. Et maintenant, je suis en train de me poser la question. Est-ce qu'un poids est nécessaire? Non, un poids n'est pas vraiment nécessaire. Je vais me faire encore un petit quatrième. Voilà. Voilà, on va essayer de devenir comme ça. Oh, mais je use tous mes stacks. Alors là, il me reste que 5. Ah ouais, ça va y avoir 5.
J'ai largement un petit oiseau que je vois. Je n'ai pas de poisson, ce qui est fou. Je reste toujours sans manger, hein. Je pense qu'on va faire toute l'aventure sans manger. Non mais après tout, je suis quand même le roi de la jungle. Je suis un roi, donc un roi, normalement, ça mange beaucoup. En fait. Ah oui, j'avais oublié, avec comme créature un oiseau. Enfin, un animal qu'il y a, enfin un animal qu'on peut dire qu'il y a dans la jungle. Encore, voilà. Encore, le oiseau pourrait représenter le jaguar. Il y a des jaguars dans la jungle, quoi. C'est un félin amazé. Mais comment je peux user des stacks aussi vite? On est déjà sur un peu de vie. J'ai encore un dernier stack. Voilà. Usons un dernier stack. Voilà. Dans l'épisode 3, on va partir à la découverte de manger parce que. Et voilà, on n'a pas aidé ce strike. J'ai perdu un cœur. Donc voilà, c'était la fin de cette vidéo. Au moins maintenant, je risque plus de tomber comme je le faisais. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo. Je finis avec 3 cœurs. Ce qui est un petit peu pitoyable. Voilà, donc c'est la fin de cette vidéo. À bientôt pour l'épisode, je sais pas.